Alors, je vous le dirai. Plus de 180. Ah oui, c'est considérable. Je ne suis pas habillé, je ne suis pas habillé, je ne suis pas habillé. Ah, nous allons pouvoir jouer avec vous. Approchez, approchez. Les petits devant, les grands derrière. Vous avez une vue ici d'ensemble, c'est la meilleure vue qu'on ait ici sur le système de défense que j'avais imaginé. En mon époque, ensuite on va commencer ces travaux de terrassement considérable, des fossés, hausses, les talus. Vous avez deux rangées de fossés, celui-ci en bas, le premier fossé, on va y descendre dans quelques instants, et celui qui est derrière, le deuxième fossé. Entre deux, nous avons ce talus en face, qui est un ouvrage de défense qu'on appelle la tenaille. La tenaille parce qu'elle protège la porte, et parce que l'autre muraille de l'autre côté a une forme de mâchoire ouverte, comme ceci, sur l'ennemi. L'ennemi est la ligne d'arbres que vous avez au fond, et l'ennemi, lorsqu'il est là-bas, il ne voit pas la forteresse. Je vous ai parlé d'une forteresse enterrée, à feu rasant. Alors vous avez ceci, en avant de la tenaille, de l'autre côté du deuxième fossé, vous avez la demi-lune avec son réduit en face. Et nous avons de part et d'autre de la tenaille des contre-gardes, on les verra de façon plus détaillée. Nous avons encore une succession de petites terrasses, c'est le chemin couvert. C'est là où va se tenir la première ligne de feu que rencontrera l'ennemi. Ce sont nos premiers fantassins abrités par le talus qui vont tenir en joue les premiers éclaireurs ennemis qui viendraient à s'approcher pour lire la fortification, pour renseigner leurs artilleurs. Première ligne de feu, cela ne passeront pas. La deuxième située par le feu des canons, des demi-lunes et des contre-gardes. Et la troisième ligne de feu, elle est ici. Avec les feux croisés depuis les tours bastionnées et les redans dans les fossés. Et le feu ici avec des canons que nous avons ici. Mesdames et messieurs, vous avez des canons sur les contre-gardes, vous avez des canons sur la demi-lune en face. Vous voyez les calèches automobiles qui fuient là-bas sur le grand chemin de Colmar à Fribourg? Eh bien les cochers ne le savent pas. Mais moi je ne donne pas cher de leur carrosse de fer, car ils sont sous le feu rasant de nos canons. Un jour j'ai eu des gens de votre préfecture ici en visite. Je leur ai dit, moi monsieur de Vauban, si un jour vous voulez couper la circulation des calèches sur le grand chemin, vous me demandez, je fais placer quelques canons sur les ouvrages, je tire et la circulation s'arrête. Ils ont tout compris. Ah ah, c'était comme cela qu'on tenait l'ennemi à distance, voyez-vous. Alors on va descendre dans le fossé pendant que nous sommes ici, on va descendre je pense par cet escalier. Nous allons aller dans le fossé, puis au retour on va essayer quand même d'entrer dans une...